Je teste le peeling de chez Ordinary pendant 30 jours. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien. Je me porte comme un charme et je suis ravie de vous retrouver cette semaine de plus pour vous partager mon expérience avec les produits cosmétiques. Trouvez sur ma chaîne des contenus qui vous permettent d'entretenir votre peau et vos cheveux. Vous trouverez également des tutos, des recettes, des conseils de beauté, des story time, également des vidéos tests de produits où j'achète des produits cosmétiques, des crèmes, des savonnettes, tout ce que vous voulez, je les achète et je les teste moi-même sur ma peau et après, et je vous dis comment ces produits réagissent sur ma peau, sachant que j'ai une peau sèche et sensible. Si c'est la première fois que vous passez sur EBS Beauty, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification, me laisser des petits pouces bleus et vos questions dans les commentaires. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du peeling de chez The Ordinary. Je vais tester ce produit devant vous. Je ne l'ai jamais testé auparavant. Je vais vous dire comment ce produit réagit sur ma peau, même si c'est une très très bonne marque, mais il faut toujours regarder ce qu'on pose sur son visage. Je vais d'abord me démaquiller. Pour me démaquiller, je vais prendre le démaquillant de chez Garnier. Et si je ne fais pas la vidéo dans la douche, c'est parce que la lumière de la douche n'est pas très très, n'est pas très très bien, c'est pas très très clair, donc je préfère le faire ici. Voilà. Donc, je vais ça picote un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, hein. Ça commence à picoter. Je fais le test du peeling, c'est pour avoir une peau douce. J'ai l'impression que je mets le sang. Alors là je vais attendre 10 minutes. Il est 19h40, donc à 19h50 j'enlève. Ça pique, hein, ça picote en fait. Ça picote un peu. Mais rien d'insupportable quoi. Faut souffrir pour être belle. Alors, j'ai attendu 10 minutes. Maintenant, je vais me débarrasser de tout ça. Je vais laver tout ça. Après avoir utilisé ça, je vais prendre le sérum. Le sérum toujours de chez The Ordinary. Le sérum Alpha Arbutin. Je vais prendre le sérum. Deux gouttes, je tapote. Je
prendre le sérum. Là, j'ai mis le sérum. Et maintenant, pour l'hydratation de ma peau, je prends ma crème de nuit. Je prends ma crème de nuit de chez Sienne. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu comment j'ai appliqué le peeling sur mon visage et j'ai appliqué le sérum après le peeling. Il y a vraiment des étapes à respecter parce que le peeling seulement, lorsque vous l'appliquez sur le visage, après le visage est tout sec. Surtout, moi j'ai une peau sèche et sensible, donc mon visage était devenu un peu serré. Donc il fallait que j'applique le sérum après. Et pour appliquer le sérum, il faut juste 2 gouttes, pas plus, 2 gouttes de sérum. Il faut chauffer dans la main. Chauffez dans les mains et vous tapotez sur votre visage, ça suffit. Et après, vous posez votre crème, vous frottez votre crème de nuit. Si vous le faites le matin, eh bien, vous mettez votre crème du jour. Moi, je le fais que le soir, donc je mets ma crème du soir. On se retrouve la semaine prochaine. Surtout, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. On se retrouve très très bientôt.